Bonjour. Alors, ça fait des options de territoire. Je ferai de différents. Voilà, peut-être aussi celui qui est reçu. Je parlerai d'un territoire celui qui est fonctionnel. Puis, par rapport à mes fonctions de commissaire à l'aménagement de la Cité Vosges, le territoire, territoire pour moi est peut-être celui où je vous ai pour ce de présence spécifique de la montagne. Et donc, dans cette accession du territoire, je prends physique. Des critères. Je prends la strate des enjeux correspondant à la spécificité montagne, l'internet et l'interministérialité de ma mission. Je suis un praticien empirique, pas théorique, une terre sur l'aménagement du territoire, j'ai une formation d'ingénieur. Pourquoi les auteurs de faire rapport à mon action sont assez nombreux. Je dirais que dans la façon d'ailleurs, la préférence qui intervient du territoire est a pris eu travaux de croissance. Le socle conceptuel est donc récent. Il fait pour référence à des notions de méthode. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler avec des géographes et j'ai appris à prendre un peu d'éléments de méthode qui structurent la démarche du géographe, ce que j'appelle de pratique intéressante en élégance. Socle, c'est outils, outils de la mer du territoire, projet de territoire. Je dirais un petit peu des éléments de démarche de victoire que sont les projets stratégiques, le système de gouvernance, les plans d'action qui permettent de faire vivre, de mettre en œuvre un territoire. Étant un praticien empirique, très empirique, même, j'ai trouvé le besoin de péter par des éléments théoriques, l'Atlantique, l'Institut de développement en Europe, qui est coparné par la DIAC et l'école des ponts. C'est vrai que je trouve ça fort intéressant d'acquérir un certain nombre de réflexions plus conceptuelles, plus théoriques. Je suis cependant frappé que les intervenants universitaires sont plus du registre sociologique, de l'économie, de l'urbanisme et très rarement des géographes. Je suis aussi frappé du fait qu'aujourd'hui, les sujets d'intérêt semblent relever beaucoup plus de l'urbanisme que des territoires ruraux. Et ce, évidemment, en tant qu'animateur d'une marge de territoire, un territoire, une innovation rurale, je suis amené à quelquefois. Alors, les principaux scénarios d'une question sur le territoire, j'aurais tendance à dire qu'il y a la dimension du géographe, la dimension du sociologue, la dimension de l'économiste, et c'est de l'urbaniste qui paraît intéressant et complémentaire et que j'ai de voir le plus compte possible. Alors, des recherches appliquées sur le cas politique, c'est vrai que je fais assez référence directement à des universitaires et que je dirais que ces travaux d'universitaires, à mon avis, sont inspirants des bureaux d'études avec lesquels je travaille. Donc on a, je dirais, j'ai plutôt une interface bureau d'études, au plus direct, au travers d'études. En termes d'éléments aussi, je fais référence à tout le corpus des textes de référence de l'Allemagne, qui eux-mêmes sont le résultat, certes, d'une contribution des élus, mais je pense aussi très inspiré par des contributions d'universitaires. Alors, la manière de mes réflexions théoriques, j'en ai donc, j'essaie aussi les enjeux territoire, mais je ne produis pas de rêves théoriques. Je pense que je produis plutôt des réflexions pratiques pour alimenter la démarche qui compte de la montagne. Les publications qu'on est amené à faire sont en particulier production par le comité massif du massif D qui a dirais, la station pique, diagnostique, enjeu, orientation et qui débouche sur un plan d'action outil d'intervention financier qui est une convention interrégionale de massif et qui lente un CPER. Donc c'est plutôt une production très pratique et assez peu théorique. Je ne pas que de référencement théorique dans lequel ces travaux appuient, mais plus réglementaire travail. Que souhaiter dire dans le registre du territoire, c'est tout l'intérêt que je trouve à ce que des universitaires s'intéressent de la ruralité, de Tagne, et que avec la ville est grande, c'est que le massif déjà est petit, donc il ne joue pas de son univers, et la production immersive de par du Sipéri, et là on dépend éventuellement un peu de mode. C'est vrai qu'on sort tôt d'un creux, même si je suis tellement un thésard qui travaille sur le massif des Vosges et la gouvernance. Voilà ce que je dis sur ce sujet du territoire.